Salutations à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Lorefrou de The Callisto Protocol, alias Patate dans la gueule édition. Ouais, la dernière fois on avait atteint le SHU et on était tombé dans le truc d'infirmerie sur un truc très intéressant, sur un des panneaux. Il y avait marqué virus H8. Et apparemment, c'est le virus qui provoque les mutations de tout ce les mutations des bébêtes qu'on a croisées là. Transforme les gens en super zombies bien vénères. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi que j'ai à peu près capté? Oui, les machins à deux têtes affreux qui crachent de l'acide, apparemment, c'est eux qui contaminent les gens. Et il y a des espèces de sacs tout dégueulasses aussi qui contaminent les gens. Et ça, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Enfin, je vois pas le rapport en fait. Encore. Le virus H8. Moi, pas comprendre encore. Salle de matériel SHU 704. What? C'est quoi ça? Salle de matériel SHU. Attendez, deux minutes. C'est quoi ça? On peut rentrer? Non, on est puni. On est denied. Oh, alors voilà, les machins à deux têtes, c'est ce que je disais, les blas là-bas, là. Et là, on va se la jouer F à pompe parce que j'ai trop de munitions. Donc, lui, là. Come here! Come here! Hop là! Voilà, pour commencer. Bonjour! Voilà! Yolo! Fight! Tin, 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 voilà. Ah! Qui attaque? Oh! Oh! À moi! À moi! À moi! Oh! Oh! Ouais! Oh! À moi! Finish him! Et voilà! Et l'autre, il est là! À toi! Attaque! Et voilà! Finish him! Et voilà. Jacobs wins flawless victory. Fatality. Oh le pauvre zombie. Maltraitance. C'est aussi un petit peu la run vendetta. Hein. Parce que franchement les bâtards putain. Les bâtards. Là c'est ma petite run vendetta, d'accord. Donc les machins affreux comme ça, c'est eux là qui contaminent tout le monde. Oui, et donc dans cette run, alors, je ne me sers pas du Skrangan, ni du canon de poing, je ne me sers que de lui, lui et lui. Voilà. Donc ça, ça va être vendu tout de suite. Il n'y a pas de souci, monsieur l'agent. Il n'y a rien qui traîne, pas de boîte, que dalle, machin. Alors apparemment, le SHU, c'est la sécurité maximale et apparemment, c'est comme un système de barrière, d'accord. Donc les cellules sont rangées et en fait ben vous faites tourner pour pouvoir avoir l'accès à telle ou telle cellule, d'accord. On peut? On peut? Le bouton? Ah merde, on peut pas, bon bah tant pis. On est reparti. J'ai claqué une cartouche de fusil, point, final, voilà. Je suis un peu deck parce qu'en fait d'avoir joué en sécurité maximale, j'ai rien débloqué. Elias, t'es sûr que c'est le bon? Hey, hey! Fais-moi sortir d'ici! Qu'est-ce que tu fous ici? Hé, hey, c'est quoi ce bordel? Tu savais que c'était elle? C'est la personne qu'on cherche? Ouais, ben, je savais juste qu'elle pouvait peut-être nous aider, ok? Et pourquoi je vous aiderais? Ça fait un bail que je suis ici. Je connais tout sur cet endroit et je sais comment rejoindre le hangar. Maintenant, toi, tu peux appeler Navette et il peut nous faire sortir d'ici. On peut y arriver, on doit serrer les coudes, ok? Merci, mais je vais tenter ma chance. Tu veux un petit conseil? Lui fais pas confiance.
Il t'a pas tout dit. Alerte. Verrouillage d'urgence. Elias ! Je te le jure, Jacob, j'avais aucune idée de qui c'était. Je croyais que tu connaissais cet endroit comme ta poche. Ouais, ben je croyais aussi. Et maintenant ? T'es piégé jusqu'à ce que la cellule s'arrime. Ce qui veut dire que je peux prendre le tram, mais pas toi. Évidemment. Non, ça va aller. Tu dois aller au traitement des déchets, ok ? Contacte-moi quand il sera. Transfert de données terminé. Attends, c'est quoi ça ? Juste un petit quelque chose pour t'aider. Suis le plan, ok ? À tout de suite. D'accord. Bon. Alors ça j'avais compris, d'accord. Alors apparemment la fameuse la personne qui était censée, la troisième personne, c'était la Dani Nakamura, la nénette grâce à qui on s'est recraché sur Callisto et qu'on a fini en tôle. Super. Alors Dani Nakamura, ok. Alors Dani Nakamura, ok. Alors, membre du groupe terroriste La Voix Extérieure a démontré sa compétence à pirater des réseaux et systèmes sécurisés recherchés par de nombreux mandats non exécutés, incluant une implication présumée dans un incident récent sur Europe. Très dangereuse, ne pas approcher. D'accord. Donc, elle a fini au SHU à cause de ça, en fait, parce que c'est une terroriste, d'accord. Et elle a... Putain, elle a la vingtaine, en fait. Ah, c'est une gamine. Wouah. Pas une gamine, c'est une gosse quoi. Ok. Et apparemment elle nous a enfermé dans sa cellule et on est remonté dans le SHU là, dans le barillet. Ok. Donc, va falloir sortir. Et d'ailleurs, temps mort. Ça va mon Jacob? Bon, j'ai pas vu notre grub. Putain, il est beau comme ça. Il fait les lumières et tout. Et waouh. Opening the door. Donc là, on est à l'intérieur du SHU. Ok. Et j'ai pas compris quand elle a dit, il t'a pas tout dit. Comment ça? Allez mon Jacob. Je crois en toi. On vient de massacrer à coup de batte des motherfuckers. Oui, alors pourquoi est-ce que je lui ai éclaté la tête à l'autre? En fait, tout simplement parce que ben c'est dans mon autre run, et ben j'ai compris que les machins là, si tu vises la tête, après ils peuvent plus cracher d'acide et du coup tu peux les friter au cac. Allez Jacob, allez Jacob, allez mon Jacob. Infiltration, messieurs dames. Ouais. Attendez, RS. Faut que je trouve une image pour faire ma miniature. Je pense que là. Ah. Bonjour monsieur. Olé. Olé. Ah moi. What the. What. Oh parfait. 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 Oh. Attendez. Voilà. Génial. I got the power in my leg. Attendez. Là. Ah. Ah. Deus. Dominus. Oh, quoique, je sais pas. Ah, attendez. J'ai peut-être quelque chose là. Ah, parfait. Ah, voilà. Ah non, j'aime pas. On en trouvera peut-être une meilleure. Eh oh. Eh oh. À moi. What time. What time. Oh my god. Skringan. Oh my god. Shendru. Nani. Ah non. Alors pareil, les bébêtes là, c'est quoi? C'est quoi des trucs là? Pareil, j'ai pas compris. Elbitos, quelle est ton histoire? Raconte-la moi. Ah. Bah voilà Jacob, voilà Elias. Ok, j'appelle le tram. Ah, ça va pas le faire. Tu vas devoir partir en te faufilant tout début. Code 51, ça, lockdown. De l'autre côté. Ok. Donc Jacob, enfin pas Jacob, Elias sait qu'on est là, ok. Ça roule. Mon Jacob. Non. Il est marqué quoi? Lockdown, ok. Tout est verrouillé, d'accord. On est enfermé mon général, y a pas de soucis.
Faut que je trouve une belle image. Faut que je fasse le paparazzi. Faut que je trouve une miniature, mon général. I got the power in my life. J'ai fait un Mazenko zombie en fait. J'ai fait un muda 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 muda. Ah ah ah. On est comment niveau inventaire au fait? Putain, j'ai un inventaire mais de balade. Eh, j'aurais eu tout ça n'empêche dans la première run, mais le rêve. Alors, voyez ce truc là-bas là. Non! Va bien te faire mettre le machin. RAS, RAS. Et ça c'est quoi les espèces de sacs affreux là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ça a une tête humaine et tout! Ah! Ah! Lâche! Lâche! Ah! Putain, j'avais peut-être une idée de. J'avais peut-être une idée miniature là. Eh merde. Donne le poignon. Putain, il m'a mangé le bâtard. Le mécréant. Regardez, ça fait plein de dépôts après. Enfin, ça fait des dépôts organiques en fait. Et il y a le sac qui est dedans. Je comprends pas. I don't understand. Qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que ce délire. Vous savez quoi? On va repasser à l'arme de poing. J'aime pas ça. Faut que je trouve une miniature. What? What? Oh non. Oh non. Il est où? Elbito. Ah! 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 Ah 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 ah. On peut les péter à coups de batte, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'Elbito est là? Ah ah ah. Elbito veut me violer. Je ne suis pas d'accord. C'est quoi ce bordel? En fait, regardez, ça fait un dépôt de comme de un truc organique au sol. Et ça va partout, puis ça fait des veines, regardez, puis ça monte partout. Mais putain, regardez, c'est une gueule humaine. Parfait, je l'ai. Attendez, j'ai ma miniature, parfait. Ah, alors par contre, alors attendez, je veux voir la gueule que ça en même temps. Temps mort, on monte un peu. Ouais, c'est ça, regardez, c'est une tête humaine. Ah la vache. T'es m'a fait un get over here. Attendez. On va monter un peu. Encore un peu. Voilà, parfait. On croirait que le machin me fait un câlin. Ça va, Jacob? Ah! Ah! Elbitos, le bâtard. Parfait. Impeccable. J'ai ma photo. Ça, regardez, ça a des espèces de grands mandibules et tout. Bon, alors, attention. Ouais. Ah! 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 C'est une tête humaine. Bon, le jeu, tu vas arrêter de me taper, par contre. Hein. Ouais, ouais. Produit d'aération. Y'a rien dans le plafond. Non. On y va. Jacob. Ce chapitre-là, est-ce que j'avais tout, au fait? 1-1, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0, 1-3, 1-1, 1-1, ok. Impeccable. Allez, on y va. Et ouais, les machins là, ils ont l'air d'être humains. Enfin, ils ont une tête humaine déjà, ils ont une apparence humaine. La tête en tout cas. Alors pour le reste, c'est H. Je sais pas c'est quoi. Ah, oh. Ok. Come here! Olé! Olé! À moi! Watai! 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 Voilà! Game over! Motherfucker! Merci! Du pognon, ça c'est intéressant.
Ouais. Le Grep Grep vient de nous ouvrir la voie. Il y avait rien. Attends, écoute-moi Jacob. Cette bouche d'aération de l'autre côté te mènera à la section de traitement des déchets. Tu devras passer ce robot pour y arriver. Ouais. Grep Grep, c'est bon. Allez, on y va. Ah merde, il m'a vu. Come here. Hop. Hop. À moi. What I. What I. Oh oh oh. Finish him. Why. J'ai enfin compris comment marchent les contres. Enfin. Et je teste ces échantillons ADN, ok. Bon alors là on a le T-800. Ok. Des baboules, impeccable. Est-ce que les robots se tuent au fait? J'ai une question, hein. Ça, c'est une question sincère et sincère. Hein. Est-ce qu'un robot ça se peut se fumer? Je me le demande. Donne-moi ça toi. De l'argent. Utiliser des armes à distance pour tirer sur la tête du robot. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Des armes à distance. Pour viser la tête du machin, d'accord. Squeak. Bon, on va pas taper les robots. On va pas taper les robots, c'est pas bien. Je suis contre la violence contre les faites aux robots. Le pauvre robot n'a rien demandé à personne. Putain, par contre, il y a du loot sur le... dans la zone là. Ah 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 ah. J'espère qu'il m'a pas vu. Non, c'est bon. Faut surtout pas qu'il me voit. Putain, il est juste derrière. Merde, j'ai plus de place dans l'inventaire. Oh putain, munitions de fusil d'assaut. Ouais, bon, il patrouille, c'est très bien. Oh oh. Shit. Ah, vite, vite, non. Toi, j'ai pas le temps pour tes conneries, va te faire foutre. Allez, viens. Get over here. Bah, il y va où, là? Oh oh. Monsieur, c'est ici que ça se passe, hein. Ah, ah, mais... Putain, mais... What I, what I, what I. Come here. Woo, à moi. Finish him. What I. Oui. Merci. C'était un zombie maton. Ok. Ouais. Eh ben on y va mon Jacob hein. Je suis arrivé au tram. Contacte-moi quand t'arrives au point de contrôle. Ouais. On arrive, y'a pas de problème. Oh oh. Ah. Ah putain le... Ah il respire mal. Il est là. Allez approche mécréant. Je vais te casser la gueule. Une dernière chose, il y a un piège là-dedans pour empêcher les détenus de s'échapper. Ouais ouais ouais, je m'en souviens. Répète-moi ça. Je m'en souviens du piège. Bon, première mort dans ma run, hein. Bon, c'était une mort test. Hein. Je voulais m'assurer que, ben, en fait, non, on peut pas. C'est pas grave. Eh gros gros.
Bon, les robots, faut pas taper les robots, d'accord? Les robots, ils sont trop durs pour être tapés. Pas bien, Fortia, pas bien, pas bien. Oh. Donne-moi le loot. Donne-moi l'argent. Ah merde. Eh ben écoutez, hein. Voilà. Voilà. Viens là, toi. Viens. Voilà. C'était quoi? Ouais. Alors attention. Attention. Le piège. Attention. Et voilà. Ah ah. Putain mais. Au revoir. Ah. Ah la vache. Ah le bâtard. Alors, en fait vous pouvez bloquer mais le blocage c'est pas ça qui est ça en fait. Alors attention. À mort! Ah le mécréant! Ah! Ah ah! Et voilà! Au revoir monsieur! Putain j'ai perdu de la life bordel! Allez! Voilà, démarre! Vite, 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 vite! Allez on se casse! Ça fait un drôle de bruit derrière. Scrunch. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alors vous allez me dire que comment on fait après? Yes. J'y suis, je suis au point de contrôle. Bien, maintenant va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Oh. Je l'ai. J'ai ma photo. Attendez. Non. Non. Agrandir. Non. 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 Pas tout de suite. Une vue d'enfer. Parfait. Waouh. Elle est belle la photo là. Là elle est belle. Regardez-moi ça. Là c'est beau. Ça, c'est une belle photo. Ouais, mec, pour l'enfer, t'as pas tort. Une grosse tempête se prépare, t'as pas envie qu'elle te rattrape. Ouais, je vois ça. Je vois le hangar aussi. C'est notre porte de sortie. Ouais. J'ai fait pas mal de petits boulots là-bas. C'était il y a une éternité. Et tu vas la retrouver, cette vie. Faut juste s'en tenir au plan. Ce qui veut dire que tu dois ramener ton cul au dôme de l'habitat. Et comment je suis censé faire ça? Personne n'a dit que ça allait être facile. Mais je couvre tes arrières, crois-moi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaillais là-bas. On pourrait dire que je collectais des données de recherche. J'ai fait quelques enregistrements. Le logiciel que j'ai installé sur ton corps les déclenchera là-bas. Suis-les et t'arriveras au dôme. Et après? Je viendrai te chercher à la station de tram. T'inquiète pas. D'accord. Je te recontacte. Non. Tu pourras pas. Tu seras sous terre, mec. T'auras pas de signal avant d'arriver au dôme. Ok. Évidemment. Il y a autre chose que tu m'as pas dit? Écoute, tu devrais te manier, ok? Devrait y avoir une trappe pas loin. Et bonne chance, Jacob. Ouais, toi aussi. Ok. Bon alors, là, notre mission va être de se de aller au traitement des déchets. Quoi qu'il fait waouh, waouh. La life, la life. Du pognon, impeccable. Eh ben, on est parti, monseigneur. En avant. On appuie sur le bouton. Et on rentre dans la trappe. C'est partoche. Habitat.
Alors, que je check vite fait. 1, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ok. Bon, bah, on a tout. Au poil. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Un dieu malin! J'avais la musique de Snake Eater dans la tête là quand il descendait. One of three. Allez, je suis chaud là. Des mécréants! Ah, la reforge, parfait! C'est parfait! Alors, où est cet enregistrement? Ben écoute, déjà reforge, mon cher ami. Ouais. Impression UJC. Alors. Passé une journée unie. Oh là 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 là. Munition de Skrangan. Voilà. On va jouer au fusil d'assaut par contre. Voilà, 3 soins, machin, nanana. On va se la jouer au fusil d'assaut. Hein. Je sais pas trop, là, je me tâte. C'est tentant. Ça aussi, c'est tentant. Capacité en munitions. Après, c'est burst mode. Là, on peut attendre encore un peu, mais vous savez quoi? Le grub, je me tâte pour l'améliorer au complet avant tout. J'ai pas d'idée là en fait là. Est-ce que je booste ça? Les capacités de munitions. Ouais, parce qu'après il y a les cartouches explosives. Et ça c'est bon. Allez, envoie. Veuillez patienter, impression en plus. Wow. Ouais. C'est un trombon bordel. Oh la beauté, oh là 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 là. C'est magnifique. Bah écoutez, on est bon. Allez, donne-moi le heal. On est comment niveau soin? On est au taquet. Je me tâte. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai vraiment plus de place hein, dans mon... J'ai que 3 cartes, 3 slots de libre. On va revendre un soin. Ça fera de la thune. Vous appartient. Oui, oui, j'ai le choix. Le choix est que je te vends ça. Et on va se la jouer au fusil d'assaut. J'ai 137 munitions. J'ai jamais eu autant de munitions dans le jeu. Hein. On est parti. Faut que je claque un peu de bastos parce que là, j'en ai trop. Hein. Ça me permet de tester mon arme en même temps. RS. Alors. Allez, on y va. What? Traitement. D'accord, on est au traitement des déchets. Ok, apparemment, il faut passer par là. J'ai finalement été transféré au traitement des déchets. C'est un vrai trou marin. J'ai entendu dire qu'il y a un moyen de sortir. Une conduite principale qui part du réservoir 6 et qui va jusqu'au dôme. Ce tuyau rouge, il s'y jette directement. D'accord. T'as juste à le suivre. Ok. Alors attendez 2 minutes. Voilà. Ça c'est le futur du tir pal par contre. Hein. Allez, ouvre le coffre. Le coffre à tous. Donne le matériel. Qu'est-ce qu'on a de beau? Munition de pistolet tactique, ça c'est bon. Mon riot gun par contre, du coup maintenant je peux en mettre plus, c'est ça? Ouais, alors ça c'est bon. On met le double dedans maintenant. Et il y a encore le truc au centre. Ok, eh ben, allez viens là toi. Petite marche arrière. Attends, voilà. On
procède. Faire monter, vendre tout mon bordel. Comme ça, j'ai le plus de place possible. Ce sera parfait. Donc, allez, mon Jacob, on fait demi-tour. On va aller vendre tout notre dawa. Et on revient après. Enfin, on revient. Non. Mais on taille. Attendez, je me gratte l'œil. Ouais. Allez, Jacob! Putain, le fusil à pompe, quoi. Bordel, c'est même plus un fusil, c'est un trombone, bordel. Et la batte, elle est bientôt... La batte est améliorée. Je crois qu'il reste encore une upgrade à faire dessus, en plus. Donc après, on est avec une batte over pétax. Alors. Impression UJC pour tous vos besoins. Ça dégage. Et voilà. Acheter. Ouais, j'ai encore une muni. J'ai pas fait l'upgrade là. Augmente la probabilité d'une visée à la tête automatique après une fin de combo. Alors ça, par contre, c'est intéressant. Ouais. Donc, on y va. Niaou. Allez, on y retourne. Allez, mon Jacob. You got the power in you. Putain, mais le grub, vous avez vu, il brille et tout maintenant. Eh. Il a des lumières. Ouais, je vais finir d'améliorer la batte et après, on changera. Hein, on passera à quelque chose de plus dangereux. Bon. Là, on est bon. C'est par là que ça se passe. Et le tuyau. Ah. Ok. Cool. Ah oui. YOLO. Ah la vache. Alors, attendez. Oups. Wow, à moi. Il a fini dans la merde. Point final. Oh la vache. Allez, Jacob. Allez, on se casse. Je me suis planté, je croyais que j'avais sorti le fusil d'assaut, en fait non. Alors attendez. Voilà. What? Ouais. Oh shit! J'avais pas vu ça. Ouais, là.
Alors... Un truc intéressé. Les gardes font la relève. Faut que je me marine le tuyau qui mène au réservoir 6. Mais je vois pas d'accès. Faut que je trouve un moyen d'y entrer. D'accord. Bah par l'aération. Ouais d'accord, je vois le délire. Ouais. Convertisseur, batterie, machin. Putain, et par contre là le jeu est généreux. Les munitions de screen gun. Je sais plus le truc là, on peut le déplacer ou pas? Non, on peut pas. Un réservoir à caca, y a pas d'autre mot. Allez viens mes crayons. Wow, wow, à moi. Finish him. What the hell. Là. Du pognon. Bah alors. Eh oh. Ah non, faut monter là. Allez mon. Ouais. Le Skrangen. Je sais plus c'était où. C'était là, non? Je sais plus. Il y a quelque chose là-dedans? Mou, oui, eh. Qu'est-ce que c'est? Du pognon. Mais c'est parfait. Attendez. Corrupteur. Nous sommes approximativement... Ouais. 3 heures après la libération. Le rythme de l'évolution est stupéfiant. Camouflage organique, sécrétion biophage. Comme s'il s'adaptait à l'environnement. Ou que l'environnement s'adaptait à lui-même. Soyez maudit, Cole. Qu'avez-vous fait? L'environnement s'adapte à lui-même. Comment ça? Après la libération, 3 heures. Machin bio. Alors, camouflage. Enfin, camouflage et tout. Et sécrétion biophage. Donc, la sécrétion, c'est la merde bizarre qu'on a vue sur les murs. Ok. C'est le fameux virus H8 là, d'accord. Qui fait ça. Alors, sécrétion biophage et camouflage. Donc, apparemment, il transforme les gens, le fameux virus. Ok. Et apparemment, il adapte l'environnement pour lui. D'accord. Ouah, c'est chaud comme truc. Ça adapte l'environnement. Ok. Ça, c'est creepy par contre. Qu'est-ce que je fais? Fusil d'assaut ou baguette magique? Fusil d'assaut. Quoique... Oh, je sais pas. On verra, c'est en fonction de l'humeur. C'est quoi? C'est une main, ça? Ah oui, c'est une main. Stop! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Donc apparemment, en fait, le fameux virus H8, là, transforme... c'est ce qui fait muter les gens, d'accord. Mais en fait, il adapte le virus... En fait, le virus adapte l'organisme, d'accord. C'est crade, monseigneur. T'as entendu, bâtard. Fusil d'assaut ou F à pompe? F à pompe. Alors attendez, je fais juste un peu le tour de la zone. Alors il y a un fusil. Je t'ai vu, bâtard. Toi, meurs. Et les espèces. Alors c'est ça les fameuses sécrétions biophages, d'accord. C'est les machins là, ok. C'est ça les fameuses sécrétions. Je comprends mieux. Alors ça c'est ce qui est... C'est le fameux virus, en fait il fait ça, d'accord. Et ça adapte l'environnement, d'accord. Écrade à mon général. Ouais.
Alors attendez, j'inspecte bien la zone. On vient de là. Il y a un fusible là, un fusible là. Ok. Ah ah, donne-moi le loot. Je prends tout. Toi, dégage. Toi, dégage. Toi, fuck you. Ouais. Ah, il est pris dedans. Ah la vache. Toi, casse-toi. Regardez, il est pris dedans. Il a en irlandé dans tout le truc. Ah. Le courant saute et la porte refuse de s'ouvrir. Ouais. Une construction typique de l'UJC. Ah. Fils croisés. Ça tire plus de jus. C'est pour ça qu'il y a besoin de deux boîtes à fusibles. Une minute. Et apparemment la sécrétion biophage, donc biophage oui, donc qui détruit la, enfin qui dévore la vie, ça assimile les cadavres. D'accord, je comprends mieux. Et je viens de comprendre ça là. En fait, ça assimile les corps et ça les reconstruit. Je viens de comprendre. J'ai compris mon général. Voilà. Meurs. 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 Je viens de comprendre. Cette merde là, ça assimile les corps et ça les transforme en autre chose. J'ai compris. D'accord. Bon bah donne-moi ça toi. Ça, en gros, alors, ça assimile les cadavres et c'est pour ça que ça va pas. Ah la vache. C'est pour ça que les machins ils avaient une tête humaine. Ça assimile tout et ça reconstruit en fait. Ah Berk. Biophage. Oui, sécrétion biophage qu'elle disait. Ah ah ah. Bâtard. Mange ça. Oh. Voilà. Donc ça apparemment ce truc c'est la combinaison de plusieurs humains. Ça ressemblait à un chien. D'accord. Ah la vache, mais c'est crade. Par contre, ça sent le gant. Oh putain. Regardez-le, le mécréant au loin là. Viens là, toi. Bouffe ça. Amène-toi. Wataï. Wataï. Et voilà. Donne-moi ça, toi. Quoi, munitions de canon de poing? Bah, je m'en suis pas servi. Pourquoi il m'a remis des munitions dedans? Oh là 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 là. Ce fusil, par contre. Il est magique. Bon, fusible 1 remis... D'accord, je comprends mieux. Alors ça là, les trucs là, en fait, alors c'est des humains qui ont été assimilés par cette merde. Attendez, j'y reviens. Il est où là, l'affreux? Là. Alors, c'est ce que je disais. C'est deux corps qui ont été assimilés par cette merde là et qui ont été retransformés en ça. D'accord. C'est comme les nécromorphes. Mais en plus moche. Mais niveau munitions, niveau armement, on est comment là? Alors, on a des munitions de Sprengun, ça c'est très bien. Qu'est-ce que je fais? Munitions de fusil d'assaut, j'en ai, mais par-dessus la tête. D'huile, pareil. Écoutez, on va voir. La fusible. On se fait pas agresser, c'est bizarre. Je comprends mieux, ok. Le fameux virus H8 provoque ça. Bon alors, on a une porte là, machin. Si je me souviens bien, il y a un petit accès par ici. Je dois suivre ce puits rouge. Ouais, t'inquiète, on va le suivre, on va le suivre. T'inquiète pas, mon Jacob. T'en fais pas. On y va par ici.
Attendez voir. Non, RS. Mais ça va pas. Ah non, j'ai eu peur. Allez hop. Alors ça par contre c'est crade. Allez, on y va. Allez, grimpe mon Jacob. Allez, monte. On y croit. Et une reforge, monseigneur. Y aurait-il pas ici? Je crois que c'est ici la reforge. What? Ouais, c'est ça. Regardez. Ça assimile les corps. Ouvre le coffre, s'il te plaît, mon Jacob. Opening the coffre, please. Là, par contre, je n'ai plus de place. Mais vraiment plus de place, hein. Par là. Putain. C'est quand même des drôles de méthodes de pub, hein. De toute façon, faudra que je revienne là. J'ai pas tout pris. Il y a de l'argent. Je ne laisse pas d'argent. Allez, on y va. Les dents de la mer. D'accord, donc les Elbito, c'est tout. Ça vient de l'espèce de merderie là. D'accord, je comprends mieux. Mais pourquoi j'ai le screen gun? Je comprends pas là. Moi je veux ça là, ça donne. Voilà. Par contre, vous savez ce qu'on va faire? Regardez bien. Attention. Non, c'est pas ça. Je voulais pas l'arme là, celle-là. Merci, impeccable. On va nettoyer un peu le périmètre. Ouais, ouais. Meurs, j'ai trop de munitions de toute façon. Mais pourquoi il repasse au screen gun, Jacob? Je comprends pas. Voilà, moi je veux ça. Merci Jacob. Bon, alors. Oh putain, il y a de l'argent. Il y a du pognon par terre là. Jacob, ramasse l'argent. Non, là, voilà, ramasse le pognon. De toute façon, on va refaire un demi-tour pour aller rechercher tout ça, hein. Moi je laisse pas ça alors, pas d'accord. Hein. Niveau munitions, on en est à combien? On est à 129 cartouches de. Putain, mais j'ai une armurerie sur moi là. Bon. Ouais, là. Allez, tourne mon Jacob. Ouais. Ah la vache. On va avoir du fric à vendre. On va avoir des trucs à vendre, hein. Là je vous le garantis, hein. Faut que je finisse ma batte. Très important ça, hein. La batte va être améliorée au max comme ça. Parce que la batte c'est quand même mon premier moyen de défense, hein. On va être d'accord, hein. Ouais. Allez, on y va. Alors, parfait. Impression UJC, passer une journée. Alors, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage aussi. Au poil.
La batte. Combien la dernière upgrade? Je sais plus. 2700. Putain, j'ai encore le temps. Hein. Là, c'est déverrouillé, machin, nanan. Alors, attendez, 2 minutes. Une marche arrière s'impose. On va aller rechercher tout ce qui nous manque. Je veux finir cette putain de batte. Avant de passer à quoi que ce soit d'autre en termes d'armement. Allez, donne tout. Canon de poing, on a tout ramassé. On va repartir dans la salle de repos, là où je sais pas quoi. Ça ressemble à une salle de repos. Il y a toujours les dents de la mer qui se promènent. Donc c'est comme les nécromorphes en fait, d'accord. L'espèce de chair dégueulasse là en fait, c'est le virus qui fait ça. Ça vous prend et ça vous retransforme. Et apparemment c'est ça qui a créé les machins qui... à deux têtes qui infectent tout le monde. Vous savez qui a roulé un patin au mec, à l'agent de sécurité dans le... je sais plus lequel d'épisode. Je comprends mieux, d'accord. What? Allez mon Jacob. C'était là. Ouais mais où? Je sais plus chef. Non, c'était pas là, c'était là. Là! À moi le loot! Inventaire plein. De quoi? On se fout de ma gueule là. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais vider? Mon chargeur est plein là. Bon, vous savez quoi? Le scrung gun, enfin pas le scrung gun, le grub ne va pas me servir, donc ça dégage. Par contre ça, ça vient avec moi. Mais non, pas ça, putain, mais... Oh. Allez, hop, ça tège. Je vais finir ma batte. Oh, oh. Jacob, 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 ramasse, ramasse. Ah, voilà, convertisseur d'énergie en parfait état, impeccable. Il n'y avait rien d'autre à ramasser, si? Non? Quoi, oh, dégage. Allez, on y va, go. C'est bon, la munition de grep, elle peut rester là où elle est. Hein. M'intéresse pas. Par contre, faut vraiment que je commence à utiliser un peu plus mes armes à feu parce que j'ai un stock de munitions un peu trop élevé. La batte, c'est bien, mais faut commencer un peu à user ce qu'on a dans l'inventaire, parce que sinon, c'est plus drôle. J'aimerais bien tester mon nouvelle arme. Allez, mon Jacob. Allez, on y va. Hop. Là. Impression UGC à votre service. Allez, hop. Hop là, hop là. Et après on va passer on va claquer déjà nos munitions de fusil d'assaut. Et après on prendra le F à pompe. Écoutez hein. Attention. C'est parti. Oh oh. Mortal Kombat! Je l'entends. Ah bah c'est bon. Oh l'argent! Donne-moi l'argent! Putain, j'ai joué à chasse taupe. Putain, j'ai éclaté les monstres. Du coup, ça fait combien? Impression UGC. Ah bah voilà. Passer une journée unie. Ah bah impeccable. J'ai une cartouche de fusil qui se promène toute seule. Et puis bah écoutez, on est bien. Allez, on se casse. On a tourné le levier. On peut y retourner. C'est parfait. Moi je voulais me les faire au fusil d'assaut. Au final bah non. La batte a été plus que suffisante. Ah. Les dents de la mer se promènent toujours. Je sais pas c'est quoi au fait qui fait ça. Je me le demande. Allez Jacob.
Ouais, ouais, là. Tin, 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 tin. La batte dans ta face. Eh, vous avez vu, les machins, je les ai éclatés à coups de batte. Hein. J'ai fait le chasse-tour ou pas? Infiltration. On n'est plus à Shadow Moses, on est sur Callisto, lune de Jupiter. Allez, on y va. Ah oui, je me souviens de cet endroit magique où je me suis fait déboîter la face. Donc écoutez, moi je vous propose là, c'est... Regardez bien. Attention. Bonjour. Approche. Et voilà. Putain, le machin, je l'ai gang... Je l'ai... Il a éclaté. Bon, bah, je confirme le fusil. La musique. La musique. Oh, la vache. Oh. Et voilà! Putain, mais ce fusil! Mais ce fusil! Eh, il est magique le fusil! Ouais. Alors, j'ai 3, j'ai 4 heals. Putain, mais hé. Ouais. Tan 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 tan. Alors attention, ça va être la guerre totale. Par contre, c'est pressé de mon cul. Recharge. Oh, 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 feu. Et voilà. Un tiers de ce truc, y'a plus personne en face. C'est bon. Munitions de riot gun, monseigneur. Hop là, donne-moi le loot. Le loot. Allez, le loot, monseigneur, impeccable. Eh, il est magique ce fusil d'assaut, ouais. Mais magique. J'avais tout pris dans la boîte ou pas? Attendez. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Tan 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 tan. Oh. Oh merde. C'est quoi? Ah, de l'argent. Oh, des munitions. Demi-tour. Putain, je suis full life, je suis tout là, stop. Le jeu, il a été trop gentil avec moi là. Eh, au final, j'ai fait le jeu en sécurité maximale, mais... Ça a été un putain d'entraînement. Mais vraiment. Écoutez, je retourne à l'Arforge et puis ben je vous laisserai. Nanana, nanana. Putain. Et qu'est-ce qui se passe avec la musique là? Oh. Là-haut.
Jacob. Allez, Jacob. Niaou. Alors, j'ai ça à vendre, Et putain, on approche tout doucement. Il me manque encore 1000 et on peut acheter la dernière upgrade pour la batte. Ça va être royal après. Et puis bah écoute, on est pas mal, hein. Et je vois que j'ai plus de temps pour cet épisode. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine, hein. Où on continuera à avancer tranquillement, hein. C'est la run vendetta là, vous voyez, c'est la vengeance, hein. Mais vraiment. Oh puis putain, et je regardais le grump en fait, t'as regardé, il brille et tout maintenant. Oh le style. Putain, elle n'empêche le fusil d'assaut, franchement, royal ce truc, hein. Putain, le machin, vous avez vu, j'ai tiré en rafale, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis resté appuyé sur la touche de tir, ça en fait ta, fini. Nettoyé, propre et net. Bon allez, je vous laisse. Ciao.